Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Un grand rêve vient de s'écrouler depuis un instant, depuis l'annonce par Jeune Afrique que le roi du Maroc n'assistera pas au sommet d'Alger. Depuis que le roi du Maroc avait annoncé qu'il compte assister à ce sommet, un grand espoir était né entre les deux peuples, le peuple algérien et le peuple marocain, qui voyaient en cette visite une occasion de renouer entre les deux peuples, surtout depuis que le régime algérien avait décidé d'une façon unilatérale de rompre toutes les relations diplomatiques et de fermer toutes les frontières, y compris les frontières aériennes. Mais entre la noblesse royale du roi du Maroc, qui a toujours tendu la main aux foutus décideurs de l'Algérie, et entre la noblesse du peuple algérien, qui a toujours développé un grand espoir de voir les peuples du Maghreb unifiés, les voyous, les caporaux du régime algérien en ont vu autrement et ont décidé d'aller à l'encontre des rêves du peuple algérien. Normal, n'est-ce pas là une de ces missions pour laquelle il existe? La France, quand elle avait instauré ce régime à la tête de l'Algérie, n'était-ce pas pour cette mission exactement? Celle de semer la haine et la division, car depuis que les caporaux des services secrets français, érigés en généraux, ont été ramenés en Algérie pour poignarder les vrais moujahidines qui ont tenté de chasser la France de la terre maghrébine, ces foutus caporaux, commandés par le régime central à Paris, n'a de mission que d'appauvrir le peuple algérien et l'empêcher de développer toute fraternité avec les voisins. Tout cela pour permettre à la France de préserver une certaine présence coloniale en Afrique du Nord. Et voilà que depuis samedi, le régime algérien qui abrite le sommet arabe n'a pas cessé d'envoyer des messages à la délégation marocaine en lui créant énormément de difficultés. Une façon de lancer un message au roi du Maroc qu'il ne sera pas le bienvenu. Aussitôt l'hostilité du régime algérien lancée et le message transmis, aussitôt la réponse était venue sur les lèvres du ministre des Affaires étrangères marocaine qui a dit hier que le roi du Maroc conditionne son arrivée à Alger à une atmosphère saine dans la capitale algérienne. Un message que j'ai vite compris moi personnellement, puisque depuis samedi, il y avait tout en Algérie, sauf une atmosphère saine, une grave hostilité au Maroc, une grave hostilité à la délégation marocaine, et le message a été bien capté. Depuis quelques instants, Jeune Afrique annonce la mauvaise nouvelle en titrant Maroc-Algérie, Mohamed VI annule sa participation au sommet de la Ligue arabe. Le sommet devait s'ouvrir ce mardi 1er novembre à Alger, en présence du souverain marocain, qui avait été l'un des premiers dirigeants à confirmer sa venue, révélée en exclusivité par Jeune Afrique. Cette décision avait fait grand bruit dans un contexte de tension entre Rabat et Alger. Après plusieurs jours d'incertitude, et alors que de nombreuses rumeurs contradictoires circulaient, le roi Mohamed VI a finalement renoncé à assister au sommet de la Ligue arabe, qui doit se dérouler le 1er et 2 novembre à Alger. Nasser Bourita, le ministre marocain des Affaires étrangères, on a formellement informé le secrétaire général de la Ligue arabe le dimanche 30 octobre au soir. Selon les informations, la délégation marocaine censée préparer la visite du roi
a quitté Alger le lundi 31 octobre à 11h. Le Maroc sera représenté à ce sommet par Nasser Bourita. Mohamed VI avait été officiellement convié par le président algérien Abdelmjid Tebboune. Une lettre d'invitation avait été remise au chef de la diplomatie marocaine le 27 septembre, invitation que le roi avait acceptée, lui qui avait prévu de se rendre à Alger, accompagné de son fils, le prince héritier Moulay Hassan. Les raisons de cette non-venue du roi, qui avait pourtant été parmi les tout premiers chefs d'État à annoncer sa présence, sont de plusieurs ordres. Rabat estime tout d'abord que les autorités algériennes ont réservé un traitement peu diplomatique à Nasser Bourita et à sa délégation, ce qui ne permettrait pas au roi d'effectuer un séjour serein et apaisé. Le Maroc goûte également peu la persistance des attaques dont il fait l'objet dans les médias algériens. Enfin, selon les mêmes sources, l'absence à ce sommet des chefs d'État que Rabat considère comme lui étant proche a également joué. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, la Jordanie, l'Égypte ne seront pas également de la fête. Nasser Bourita se trouve toujours ce lundi dans la capitale algérienne, même s'il n'a eu jusqu'à ici aucun entretien avec son homologue Ramtane Lamamra. Il estime que le Maroc participera activement aux travaux de ce sommet, mais le comportement diplomatique de l'Algérie est humiliant pour le peuple algérien. C'est ce que disent beaucoup d'Algériens eux-mêmes, y compris les opposants et les youtubeurs installés à l'étranger, tels que Hicham Abboud, Abdou Samar, Larbi Zitout et autres opposants, qui sont très déçus du comportement de la diplomatie algérienne et à travers elle, les caporaux qu'ils appellent voyous à la tête de l'Algérie. Voilà donc, ni le roi Mohamed VI, ni son fils le prince héritier Moulay Hassan ne participeront à ce sommet de la honte, le sommet arabe d'Alger. Tant mieux, car le roi Mohamed VI et son fils le prince héritier Moulay Hassan sont si chers au peuple marocain, qui voyait dans ce déplacement du roi et de son fils un grand danger pour leur sécurité. Dieu merci, ils ne vont pas y aller. Tant pis pour les voyous caporaux d'Algérie, ils vont continuer à être isolés à travers le monde. Et personnellement, j'ai apprécié une chose, c'est ce silence du palais royal au sujet de la participation ou non à ce sommet. Car depuis que Sa Majesté avait annoncé qu'il avait décidé de venir en personne à ce sommet, toutes les rumeurs qui avaient circulé après étaient restées sans suite de la part du cabinet royal. Alors que le régime algérien s'agitait à travers ses médias, tantôt il déclarait qu'il n'allait plus venir, tantôt il déclarait qu'il allait venir en compagnie de son fils, tantôt il disait que c'était Akhnouch, le premier ministre marocain, qui allait venir. Et toutes les fois que le régime algérien s'agitait, le palais royal gardait le silence. Un silence des nobles que j'ai beaucoup apprécié. Et je salue l'équipe professionnelle qui entoure le roi du Maroc pour leur professionnalisme. Car jusqu'à maintenant, aucun communiqué n'est sorti, laissant les voyous s'agiter tout seuls. On ne pouvait pas mettre au même pied d'égalité une culture royale millénaire du royaume chérifien avec des voyous qui sont nés par arrêté ministériel de la France il y a juste 60 ans, depuis l'été 1962, année où la France avait décidé de se retirer de l'Algérie, tout en gardant des voyous à la tête du régime.